Voilà pour la minute de silence. Auparavant, durant une demi-heure, le parcours de Jacques Chirac, de son enfance jusqu'à ses choix les plus marquants en politique, ont été évoqués par Michel Saliou, l'enseignant d'histoire. Quelle image ses élèves avaient-ils de l'ancien président ? Est-ce que le nom Jacques Chirac vous disait quelque chose avant que vous ayez vu tous les médias ? Oui ? Un petit oui pour certains, un non pour d'autres, d'où l'importance de resituer le personnage, notamment dans son héritage politique. On évoquera évidemment cette année ensemble ces pages que sont celles de la Seconde Guerre mondiale et vous verrez la figure du général de Gaulle. Jacques Chirac a une admiration mais profonde pour un personnage comme le général de Gaulle. Je connaissais Jacques Chirac de nom, mais je ne savais pas ce qu'il avait fait pour la France, s'il était bien vu ou mal vu. Et j'avais juste entendu son nom et maintenant j'ai appris beaucoup de choses. Toi aussi ? Oui, moi c'est la même chose. Ça vous donne envie d'en savoir un peu plus ? Oui, je vais peut-être regarder un reportage. Bon, on savait que c'était un ancien président de la République, mais on ne le connaissait pas vraiment. Avant Jacques Chirac, sous des formes un peu différentes dans les écoles, un deuil national avait été décrété pour 3 autres présidents de la Ve République, le général de Gaulle, Georges Pompidou et François Mitterrand.